Un garçon marche. Il a 14 ans. Il rentre chez lui. Deux garçons en mobylette arrivent à sa hauteur. Il les regarde, ils sont beaux. Ils ont l'air dangereux, ils le sont. Les garçons s'arrêtent, descendent de la mobylette et le tabassent à coups de casque. Sans raison. Ils disparaissent aussi vite. Le garçon a le visage en sang, les dents cassées, il pleure. Il arrive chez lui, sa mère le voit et lui dit « J'espère que tu ne t'es pas laissé faire.
Je ne sais plus quand j'ai rencontré Kostia pour la première fois. C'est le petit frère de Vania. Pour moi, il a toujours été le petit frère de Vania. Je n'ai jamais regardé Kostia comme un garçon que je pourrais prendre dans mes bras jusqu'à cet été. C'est au mois d'août, à la terrasse d'un café du centre-ville. Ce jour-là, il faisait plein soleil et je le voyais vraiment pour la première fois. Je lui ai dit que je le trouvais très beau. Comme ça. Ça l'a fait rire un peu, plutôt bêtement. Il était un peu mal à l'aise, comme un garçon qui n'a pas l'habitude de recevoir des compliments. Il ne savait pas quoi dire. Pas vraiment le regarder. Et nous n'avions pas grand-chose à nous raconter. Je me sentais ridicule et en même temps, c'était si agréable d'être là près de lui, collé. Je me souviens que ce jour-là, j'espérais que ce soit le début de quelque chose, d'une histoire. Sans le savoir, elle avait commencé, mais sur là, il s'est levé et il est parti.
nous enfilons verre sur verre comme à notre habitude. Kostia arrive. Il y a du monde, il ne s'installe pas à notre table, mais reste debout face à moi. Il pose ses mains sur les épaules d'Olga, qui baisse la tête. Je regarde ses mains qui travaillent. Calmement, il s'applique. Ses mains s'enfoncent dans la chair. C'est fort. C'est doux. Il me regarde fixement, intensément. Il ne me quitte pas. Je suis pris d'une sensation terrible qui part de mon ventre et se répand dans tout mon corps. J'ai chaud. Il ne me lâche pas. Je ne sais plus où regarder. Je baisse la tête. Mon sexe se durcit à chacun de ses mouvements. Il me regarde et je n'arrive pas à voir ce qu'il ressent, ce qu'il veut. À ce moment-là, il sait qu'il me possède. À ce moment-là, il pourrait faire de moi n'importe quoi. C'est moi qui le masse. Je le sens.
rendez-vous avec Kostia. Il est beau. Les gens ont tous des ballons blancs accrochés partout. Kostia m'en accroche un à la veste. Je le regarde faire, c'est beau. Nous jouons comme des enfants à mettre nos mains froides dans le dos de l'autre. On rit. On s'amuse. Je ne s'arrête plus jusqu'au moment où nous nous quittons. Je me sens bien. Léger. Olga et moi traînons dans un café. Kostia arrive. On parle. On se regarde. On se sourit, on baisse les yeux. Je lui demande s'il vient dormir chez moi. Il ne répond pas. Je lui dis viens. Il me suit. Chez moi, on parle encore. Longtemps. Il me coupe en plein milieu d'une phrase et jette sa tête sur mon thorax. Il ne se blottit pas, non. C'est animal. Nerveux. Le mouvement sec, il me tire à lui. Mes mains sont recroquevillées sur ma poitrine. Il me tient. Me caresse la tête. La nuque. Les épaules, du bout des doigts. C'est doux et ferme à la fois. On dirait qu'il mesure mon corps. Je me laisse faire. C'est bon. Je n'ai jamais été caressé comme ça. Je ne sais pas trop ce que je ressens. Mais la crainte, elle, je la reconnais. À chaque retournement, il m'embrasse la nuque, l'épaule, le cou. Au matin, il se réveille, il est en retard. Je me rendors.
réveil, je me sens triste. Seul. Les étreintes sont fortes, brutales. Nos corps sursautent à chaque pression. Nous cherchons les points sensibles et enfonçons les doigts de toutes nos forces. Nous passons la nuit à nous frotter, à nous mordre la nuque en cherchant les limites. Douleur. Plaisir. Soumission. J'ai peur de ce dont j'ai envie. Je n'ose pas y penser. Yeah.
Mes jeux sont toujours aussi intenses. J'ai moins peur. Je lâche prise. Doucement, j'accepte la douleur avec moins de pudeur. Je commence à me laisser faire. J'ai envie. Mon corps à corps sont sensuels, brutaux, exacerbés. Tout est en contraste. Chaque moment de douleur fait place à des moments d'une très grande douceur. Nous finissons par nous endormir épuisés. Je me blottis dans ses bras. Les étreintes sont fortes, mais jamais assez fortes. Je dors mal. Mes rêves m'angoissent. Je suis effrayé. Je rêve que je conduis un bus plein de passagers. La route descend et tourne sans arrêt. Je n'arrive pas à maîtriser la conduite. Je me sens seul. Je n'existe plus que dans cette douleur. Solitaire. Unique. Je ne me sens pas capable d'exister sans elle. Je ne me l'explique pas. Je me réveille et je m'orcostia de toutes mes forces. La douleur le fait crier. Il me dit de faire attention, qu'il rentre au centuple. Sans hésiter, je le mords une nouvelle fois. Il crie et me frappe violemment. Sa main claque sur mon flanc. C'est fort, précis et douloureux. Une brûlure. Il recommence, frappe encore et encore. Mon visage. Mon dos. C'est fort, brutal. C'est la main d'un homme. Je souhaite qu'il frappe encore mes flancs qui sont beaucoup plus sensibles. Je souhaite qu'il me frappe avec ses poings, avec ses coudes. Il passe sa main entre mes cuisses et touche mon sexe pour la première fois. Je ne bande pas.
Je veux qu'il me frappe encore en touchant mon sexe. Fort. J'ai plus de nouvelles. Je m'ennuie quand le temps existe. Pas toujours. Parfois. Il y a des moments où le temps s'arrête. Comme avec toi. C'est ça que j'ai du mal à accepter de perdre. Je te cherche partout. Dans tous. J'ai toujours eu envie que quelqu'un me tape dessus. C'est difficile à dire, mais je n'ai pas honte. Ça fait plus d'une semaine que je n'ai plus de nouvelles. Je deviens fou. Qu'est-ce qu'on leur fait aux garçons? Où est le traumatisme? La pudeur, c'est l'autre qui l'inflige. C'est la première fois que je me sens puni. Puni de l'attendre. De résister. D'aimer.
d'aimer que ce soit lui. Je t'ai attendu. Je ne veux pas être frappé, je veux que ce soit toi qui le fasse. Partout où je suis, je t'attends. Je veux que tu me violes. Je veux te violer. Frappe-moi. S'il te plaît, frappe-moi. Je sais que quand la douleur est trop forte, la seule façon de me libérer est de te la rendre au centuple. Le bourreau n'existe pas entre nous. Celui qui frappe, c'est à lui-même qu'il inflige les coups. Je le sais. Tu le sais. Je sais que c'est toi. Je ne me souviens pas où ni quand, mais je me souviens. Je me souviens que je t'attendais. Depuis toujours. Je me souviens que je t'ai oublié. Quelque part. Je sais que bientôt je n'aurai plus peur. Plus peur de me souvenir, je le sens. Je n'aurai plus peur de rien. Je t'ai trouvé. Je t'ai inventé. Sur mon instrument. Je me sens bien avec toi. Je veux dire pas coupable. Je veux dire pas coupable. T'es un petit garçon. Si on arrêtait. Je sais pas. Tu t'ennuies ? Non, pas ça. Je sais pas. Je pensais qu'on pourrait arrêter comme ça. C'est vrai.
Pas de nouvelles. Masochisme mental. Sais-tu seulement que tu me punis? Te punis-tu toi-même? De quoi as-tu peur? Pourquoi tu me dis que tu as envie de me voir? Pourquoi? Pourquoi nous infliges-tu cette attente? Moi, quand je suis seul, je pense. Et quand je pense, j'ai peur. Tu m'as abandonné, tu n'es qu'un lâche. Vous êtes des lâches. Moi qui pensais que j'avais peur, vous, vous avez la trouille. Lâche.